Où sont les armures? C'est vous là. TGS direct là, Tilsian. Ok, oui, ça sent Lucian. J'ai pas de gold, on prend Poppy. Petit start brawler, je crois. Enfin, blaster brawler. Probablement cybernétique. Tirer de buff, ça peut être très très insane le start. Mais ça te paraît de buff et de garder le BF pour Aelia sur le cyber. Ah, j'ai vu celle-là. Hein. Non mais elle, elle avait un peu trop le seum. Après y'a rien eu là, j'ai eu une baguette c'est tout. Bah. Game hello. Est-ce que c'est normal de se faire douiller comme ça là? Ça va partir en série 12 je crois encore non. Tiens Lucien. Oh. C'est pas beau ça? Double Lucian, pas un. Double. Par contre, ça me fait chier pour Blitz là. Comment on fait? Là, j'ai oublié de faire GS en vrai. Cybernétique je pense là. J'ai pas de red buff là, il y a moins de faire une grosse série de win peut-être. Mais non. Je peux. Ouais. Absolument je gagne par contre s'il vous plaît, je prends une vente de mobs. Il y a le Graves aussi là. Oh là là, je suis un malade. Tu vois, c'est mes cybernétiques ou. Dark Blaster là en vrai. Peut-être cybernétique quand même.
le Darius là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, sous les bleus là. Une ceinture, il n'y en a pas. On veut un GA ou un autre GS après. Ça c'est bon. Ou soit je mets juste direct cybernétique. Ah, j'ai trop de choix là, c'est chaud. Je vais mettre un level up. Je sais pas c'est quoi le plus fort là. Je crois que c'était quand même mieux de mettre peut-être Poppy 2. Mais cinématique, ça donne tellement de buff aussi, je sais pas. Est-ce qu'on fait un GA ou pas? Après, je trouve le mieux quand même d'avoir un GA à chaque fois sur Jinx. Hein. Full DPS, c'est drôle, mais quand il y a des mobs qui peuvent la one-shot, ça fait chier quoi. Dans tous les cas, mais le problème c'est qu'on préfère le red buff avant le GA quand même. Déjà surtout pour fin de game late. Arlie c'est pas si important que ça. Sur la cinématique on peut être brawler, on peut changer trop de trucs en fait. Non. Pas mal. Wow, 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 wow. Red buff, ça fait. Ça se voit la diff quand on l'a pas quand même early. Hein. C'est vraiment mieux que le GS. Hein. Je crois que le GS. Oh, c'est chaud, non? Ouais, c'est bon. Faut vraiment investir dans la full win. Cybernétique, cybernétique. Le truc c'est que tout le monde joue cybernétique après. Il y a beaucoup moins de gens qui jouent. Bon alors blaster. Si t'as pas stuff parfait pour Irelia, en lightlet c'est pas si dingue que ça. Enfin, dès qu'il y a un autre mec qui a une Irelia qui a mieux stuff, et... déjà faut l'avoir deux aussi. Tu te fais rouler dessus. La Poppy quand même. Ah, un petit red buff direct. Hein. Ça slam. Un GS ou un GA. Ok, double BF. On va vendre Poppy parce qu'on s'en fout. On veut pas une Deathblade du tout. On veut pas un Extect non plus. Ça me fait perdre un goal en résistant.
Level up. Investi. J'ai sous-mord. Plus de dégâts ou plus de def. C'est un space pirate. Attends, j'avoue, je crois que j'ai jamais joué avec le combo spécial. J'ai jamais fait. Oh, nickel ça. Je rigole. Vraiment strong quand même, non? Je vais sauver des mobs 2 pour sa tank en gros. Tant que Lucien ne se fait pas tuer dans les fights, je laisserai ce bas, ça fait tout les dégâts. En plus, on aura des petits gold avec le Space Pirate. Putain, mais en vrai, c'est encore mieux ce. Avec Jace et Graves là. On aura des gold et tout. Boucherie. Yovenko, quand tu veux. Là, ça ressemble à du Herald quand même tout ça, non? C'est qui le mec qui win? Oh, il a fait une belle flèche. Sauf que je pense que je le démonte lui. Hein. Il a rien. Hein. Lui, il est un peu comme moi, mais tout level 1. Il a 3 blades, 3 blades, donc je le démonte. Je pense que je démonte tout le monde. Là. Lui, c'est le plus dangereux, mais ça tank surtout. Quoi. Vu qu'on a GS Red Buff, il y a rien de ouf. Hein. Il avait son mec ou pas? J'ai pas vu, il avait un fils. Voilà la frontline en fait. À moins qu'ils ont de la shot qui tue mon Lucien, je sais que c'est comment. On va faire là. Ah, sauf ce qu'il y a à prendre en plus. Il a pas tué un mob le pot. Ouais, un petit gold en plus. Eh, de la bombe Space Pirate. Toujours pas. Là on veut une armure. Il n'y en a qu'une. On va faire un GA. Si on n'a pas d'armure, qu'est-ce qu'on veut faire? Un autre GA j'imagine. Sur je ne sais qui. On a déjà trop de BF, on a de la paix. Qu'est-ce qu'on veut faire de la paix avec la paix ionique? Elle me laisse l'armure. Sinon je peux faire Lucian 2 mais ça va me faire raf une Deathblade, c'est plus la merde quand. Bon ok, on me laisse le GA. Une seule armure, on me la laisse. Je suis choqué là. Ok. Après la game de merde d'avant là, tout. On a un chemin béni là. Bon. Voilà, ouais. Incroyable hein. Okay. Qu'est-ce qu'il peut faire contre moi en fait, c'est la question. Qu'est-ce que je peux rajouter là, un chrono après? On va pas perdre masse gold quand même, juste pour ajouter un chrono, ça va pas tout changer. Et on va peut-être roll 7 après. Hein. Je sais pas si on va jusqu'à 8. Il y a moins de. De démonter encore plus quoi. Voilà, maintenant Mulissan il peut plus le tuer là, il a un GR en plus et tout, c'est fini là. Oh là, la Kaisa Morello, Kaisa Morello c'est trop fort aussi. Hein. Bien la diff hein. Ah, franchement il s'en sort pas mal hein, quand même hein, putain. Il a pas win quand même là. Close hein. Je pensais pas que ça allait être aussi close. Oh, il y a un poisson qui saute là. Bon, il faut top 1 pour monter. Voilà, ça on veut ça. Je crois que je le up Jace 2 en vrai. Si je peux l'avoir up parce que... génère des golds en fait donc j'ai complètement oublié à chaque fois cette synergie. Je pense qu'il est clairement worse. Est-ce qu'on level up là? Je vois pas qui peut me battre en fait, je pense pas que j'ai besoin de level up. Hein. Lui il est quand même fort mais. Ça va pas suffire. À moins que. C'est chaud. Hein. Parce qu'il a cessé mon Lucian. Ouais, c'est close, mais bon, mon Lucian a trop de stuff. Hein. J'ai trop de stuff en fait.
Donc il a perdu sa série de win. Pour essayer d'éviter de jouer la même combo que moi, ce serait cool. Est-ce qu'on rush vite ou pas? Ou est-ce qu'on roll un peu? Parce que là, le 2 check est pas mal comme ça là. Mais bon. Kineko. Regardez pour un trop BF. Encore une BF, mais j'ai jamais eu autant de BF de ma vie. En fait, il fallait vraiment jouer cybernétique là. Mais j'ai trop de BF en fait. Enfin, je fais une game comme ça aussi, il y avait trop de BF. Quand t'as trop de BF comme ça, qu'est-ce que tu fais en fait? Genre, je peux faire aucun item bien. J'ai assuré tout le monde. Il y a un Apex. Hein. Ça va me générer des goals par contre les mobs là. Niveau brawler par contre on est pas ouf hein. On a juste blitz 2. Après on a du full cybernétique quand même. Personne qui veut jouer brawler. Qu'est-ce qu'on va faire avec les items? Ça marche sur le proc blaster. Garde hit effect. Attends, ça marche sur le proc Shojin du coup quand tu. Ça te remet full mana ou pas? Genre un Ez avec une Shojin il peut spam. Peut-être fort en fait Shojin sur Ez. Jamais vu un Shojin blaster. On va mettre 4 blasters aussi. Tous les mobs qui restent prennent trop cher les mecs contre moi. Ils prennent trop la sauce. Qu'est-ce qu'on veut là? On veut du géant encore je pense hein. Qu'est-ce qu'on fout de ces BF sinon? Je sais pas si on veut un autre géant slayer. Faire un autre GA pour MF après je pense c'est cool. Ou de la mana. Mais bon faut faire des items avec les BF en priori. GS ou géant. Sinon la mana. Un géant. On va mettre sur Jace en attendant. On va stuff Jace pour le stuff de MF, je pense. C'est bien. Il y a un Shogat en vrai aussi, mais bon. Je devrais pouvoir l'avoir normalement. J'ai pas vu de Void Brawler. Thank you.
va hold à 50 gold tranquillement. Hein. On n'est pas pressé. Hein. On hold à 50 gold tranquillement tant qu'on a un truc correct. Après, on up même 9. Hein. Quand on a Jinx 2, on up 9, je pense. Mon Jace, il a fait un truc chelou. Investissement de Jace, je pense qu'il est ok. Jace 2, c'est fort. Il me génère des golds en plus. C'est vrai qu'on peut mettre 4 blasters aussi là. À place de quoi? Ah, cybernétique, c'est chaud à enlever. On a le Shogat? Shogat 1, en vrai, c'est pas ouf. Hein. Pourquoi c'est des Français toxiques et débiles toutes nos games. Wow 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 wow, calme-toi avec la Kyle. Oulolo, c'est chaud. Tu t'es meuf. Tant qu'on a pas Jinx 2, on la Sucian avec les cyber et tout, je pense c'est bien pour l'instant. Faut arriver à bien swap après. J'aimerais bien avoir 3 bons items sur MF quand on a déjà un GA. On va voir, on peut peut-être faire Shogin en vrai avec Stack, je sais pas. Oh, on peut faire MF2. Ok. Shogin Ginzo en vrai. Ouais, Shogin Ginzo, je pense. Shogin Ginzo, ça me plaît. Shogin Ginzo ça me plaît. Shogin Ginzo GA. Je sais pas si il y aura le temps de casse deux fois mais bon. J'aurais pu faire un autre GS aussi mais je sais pas. Ah c'est la loose hein. J'aurais peut-être dû switch avant. Ah peut-être pas. Oh mon Lucian. Oh c'est tendu. Oh. Wouah. Je repasse à 50 gold avec les gold en plus. Ah GS2 trop fort hein. Vraiment. C'est un monstre ce mob. Manqué là. Oh le stuff. Ouais j'aurais pu faire double GS et mettre le. Ouais j'aurais pu faire un truc mieux ouais. C'est pas grave. Alors, on va le vite fait. J'ai donné quoi en vrai hein, mais bon. Je pense que mes Neko je vais garder pour des mobs 3 là au point où on en est. On est tellement bien que bon. Web 9 maintenant. Je sais pas si y a le temps de cast. On va voir si ça marche sur, sur Blaster. Après j'avoue que si y a le temps de cast une deuxième fois dans un fight c'est fini peut-être. Hein. Je sais pas. C'est peut-être pas ouf en vrai. Ça a peut-être été mieux sur E je pense. Up 9, je pense up 9, on ajoute la petite Kyle ou quoique Rebelle c'est mieux quand même. Hein. C'est mieux de mettre Aurélion je pense.
c'est Valkyrie ou Rebelle, je pense que c'est mieux Rebelle quand même. Ouais. Protège plus Jinx, ça donne plus de dégâts aussi, c'est mieux. Ah putain, il a deux Zephyrs dans le coin et un Blitz. Oh, il est relou, lui. Hein. Blitz, cancel. Oh, c'est chaud. C'est chaud, fort de la nature. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Rebelle? Ah bah normalement c'est Spat MF Rebelle quoi. Kayle Rebelle hein. Kayle Rebelle je pense c'est pas mal hein. Après, on pourra ajouter Celestial aussi. On refait MF. Ouais, après Rebelle. Blade, je sais pas. Protector c'est nul. Il a pris Celestial le mieux. Puis que de la merde. Hein. J'aime pas quoi prendre. Y'a aucun item qui m'est utile. Je suis un peu deg. J'ai pas envie de niquer ma Jinx non plus en stuff donc. Un peu triste non. Avec Malphite il a même pas up. C'est vraiment pour les stats ça, hein, c'est tout. En plus j'ai donné écho, c'est n'importe quoi ça vient vraiment. En op 9 je pense et on met un Aurélion. Putain il a une seule line-up rebelle lui. Il a beaucoup de mobs 1 du coup, imagine que ça va stack vite je pense. Quoique. Non ça tank trop en fait, hein. Il m'a démonté. Hein. Wouah, il m'a démonté alors que ça truc a pu la merde. Ah ça me counter trop hein. Le shield pour les blasters. Incroyable. J'aurais peut-être pu prendre BM en fait. Peut-être le rebelle. Ouais, j'aurais pas pu faire entrer. Combien de chips lui après? 8? Non 12? Ah c'est sens. Hein. Il y a lui 3 c'est fini l'autre. On me recasse trop vite MF. Oh c'est incroyable hein. Avec le Shoji. Non, en vrai je pense que S aurait été pété hein. De pleurer lui hein. Courant que c'est pas balancé. Un écho, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Je comprends pas le délire du jeu là. Pourquoi on me redonne des échos? Ça a aucun sens là ce qui se passe là. Neko. J'ai même pas envie de les user en fait. C'est qui les mobs 3 qui peut faire le plus la diff? Bon, MF3 j'imagine. Oh, t'as un que level 1 là, elle one shot tout le monde. Il est pas mystique lui.
Et Alix juste. Et les gars, ils ont pas. Un petit peu. Bon, qui est-ce qu'on up 3? On va recommencer à roll un peu plus là, je crois, mais bon. C'est. En fait, la game elle a aucun sens là, en fait. Pour moi. Genre, c'est ridicule quoi. Je pourrais FK, j'ai gagné en fait. Peut-être pas FK, mais bon. J'ai trop de trucs là. J'ai aussi dit. Et puis Aurélien fait des dégâts, ça va, il fait trop rebelle. Hein. 3000 dégâts, ça va. Hein. Pas dégueu, on arrive à vous. Il me bat presque. Hein. Top 3, il pleure. BG, il pleure et tout. Top 3, le mec, il fait. Incroyable, le mec, comme ça. Disarm. Je pense disarm, c'est pas mal. Hein. C'était Zephyr ou disarm. En blaster, je pense c'est bien. Surtout contre un mec qui est full click droit avec sa Kyle, Irelia. Enfin, je sais pas ce que ça fait sur le spell d'Irelia d'ailleurs. Bon, je sais pas ce qu'on a du coup avant. Hein. On va bien faire des mobs stylés qui sont à 3. Oh, j'ai le temps de faire Jinx 3. Oh, elle est pas passée. No. Ça aurait peut-être pu être plus stylé, mais vu qu'il veut. Non, si je gagne, il meurt ce round là, je voulais faire Jinx 3. Oh putain, il a failli win. Il a même pas le temps de mettre ma Jinx 3. Incroyable. Oh, cette game elle avait aucun sens. Vraiment. Des Neko, tout. Je sais pas, tout. On a win presque toute la game. Trop de gold. Mais le start avec. Je sais pas, à chaque fois ce start il est trop fort. Lucian GS, Red Buff. De Brawler, de Blaster, de Vanguard. Tu mets un peu ce que t'as. 3 cybernétiques et je sais pas, c'est trop fort en fait. Trop fort. Allez. Que 59 points. Putain, la mère elle commence à être détruite. Hein. Ça fait chiant. Ça fait chier. Ok. J'avais quoi, 3 rebelles? De chrono et c'est dos.